Le yuzu est un agrume jaune cultivé au Japon depuis les temps anciens. Voici comment le yuzu a sauvé la vie d'un petit village de campagne. Umaji, à Kochi, compte 1 000 000 d'habitants. Le produit principal de ce village est le yuzu. Novembre est la saison de la récolte. Ce que le yuzu a de particulier, c'est son parfum unique. Le yuzu est plus acide que le citron et il a un arôme tout particulier. La pelure fournit un zeste, utilisé comme garniture, tandis que le jus sert de condiment. La chair est souvent retirée pour obtenir un petit récipient. Voici une jolie façon de présenter la nourriture, un charme pour les yeux, un délice pour les papilles. L'industrie principale d'Umaji était la foresterie, mais il y a un demi-siècle, elle a décliné. Le village avait perdu son assise économique et les gens l'ont déserté. Et c'est le yuzu qui sauva le village de son état critique. L'idée émana de cet homme employé alors par la coopérative agricole. On utilisait le yuzu toute l'année dans la cuisine. Il faisait partie de la culture du village et il poussait bien chez nous. Je me suis dit qu'il contribuerait à la création d'emplois. Monsieur Totani parcourut tout le Japon à la recherche d'acheteurs de la récolte de yuzu, mais sans succès. Le problème, c'est que notre marque n'était pas connue et les boutiques n'en voulaient pas. Nous avons décidé que le seul moyen, c'était de vendre directement aux clients à partir de notre ferme. Le village s'efforça de soigner ses clients et d'accroître son commerce de vente directe. Ça nous a pris 10, voire 20 ans. Et même à ce point, nous n'étions pas certains de réussir. Monsieur Totani comprit que la quantité de fruits vendables serait limitée. Il chercha donc à fabriquer des produits traités. Oui, la pelure est épaisse, mais l'arôme est excellent. Soucieux de traiter le yuzu pour promouvoir l'arôme particulier du fruit local, il utilisa la méthode traditionnelle de pressage du jus. Le fruit est pressé dans sa totalité, une méthode appelée marushibori. Presser la pelure avec la chair met l'arôme très fortement en valeur. Près de 20 ans après ses débuts dans le yuzu, le village connut enfin le succès. Le jus de yuzu d'Umaji fit un tabac dans tout le Japon. Les efforts des villageois portaient enfin leurs fruits. À présent, Umaji vend plus de 70 produits à base de yuzu, allant des confitures aux assaisonnements. Le village dispose à nouveau d'une source de revenus stable, car des commandes affluent de quelques 150 000 clients de l'archipel. Nous sommes tous fiers de vivre à Umaji. Maintenant que le nom de notre petit village est connu dans tout le pays. Yuzu, l'agrume qui a redonné vie à tout un village. De nouvelles valeurs créées en reconsidérant une culture alimentaire traditionnelle.